jeune carrière, donc forcément de les retrouver en demi-finale senior, c'est vraiment superbe. Et donc je pense qu'on va assister à un superbe match. Bon, forcément, ils se connaissent par cœur, donc voilà. Il y aura peut-être des coups de chacun qui seront peut-être différents à un moment donné du match s'ils sentent qu'il y a besoin. Mais bon, je pense qu'ils s'entraînent tous les jours ensemble, ils sont toujours ensemble. Ne serait-ce qu'hier soir, ils étaient dans la même chambre, dans le même lit pour dormir. C'est un peu l'anecdote. Donc franchement, c'est incroyable. Et ils sont super encadrés à Montpellier avec leur papa Stéphane Lebrun, qui était ex-international également. Et puis Jérémy Sureau, le coach préparateur physique. Donc c'est vraiment une superbe équipe à Montpellier qui fait progresser ses deux frangins et qui fait que cette équipe de France senior va être rajeunie dans peu de temps et va donner un coup de boost également, je pense, à Simon. Ça va lui faire du bien que ces deux jeunes arrivent dans cette équipe de France. Comme chez les filles, la filiale opposera le maître à l'élève. Chez les garçons, ce sera exactement la même chose, finalement. Oui, tout à fait. Déjà, l'an dernier, Alexis était allé en finale face à Simon. Là, Alexis est favori, il n'a jamais perdu son petit frère, donc ça arrivera peut-être une fois dans leur carrière, mais pour l'instant, Alexis a toujours pris le dessus, donc il est grand favori sur cette demi-finale. Ils sont présentés comme tous les deux, comme des phénomènes du tennis de table français. Il y aura inévitablement un petit peu d'appréhension quand même, ils se connaissent par cœur. Et il a envie, Félix, là, on le voit. Ouais, il est déterminé, cela dit, Alexis aussi. Oui, tout à fait. Bon, déjà, rien qu'à la reprise de raquettes sont différents. Donc, Alexis joue avec une prise orthodoxe. Et Félix joue avec la prise porte-plume. Alors, c'est incroyable, voilà. Une porte-plume à 16 ans. Oui, tout à fait. Écoutez, Félix, quand il a débuté à jouer, il y avait un Chinois de la République de Taïwan qui était dans son club. Et il l'a vu jouer, il a essayé de l'imiter, et il a joué en porte-plume et puis maintenant il a continué et donc il a continué à progresser, il a pris beaucoup de renseignements sur cette prise porte-plume pour apporter plus de technique, plus de volume. Et bon, vous pouvez vous rendre compte que il joue excellemment bien avec cette prise de raquette. Ouais, il y avait aussi l'Italien Yang Min, un Chinois naturalisé aussi, qui a joué à Montpellier. Donc, il en tire beaucoup de conseils et fait progresser son jeu régulièrement. Ouais, c'est un bon départ. C'est un vrai match. Voilà, il y en a pas un qui va lâcher, je pense. Et il faudra vraiment que le vainqueur passe sur l'autre pour aller rejoindre Simon en finale. Et puis alors, ils sont tous les deux en confiance parce que au-delà de cette demi-finale du simple, ils ont tous les deux été titrés hier. Chacun de leur côté, un en double mixte et l'autre en double messieurs. Ouais, tout à fait. En double mixte, ils se sont rencontrés en finale, donc forcément il y en avait un des deux. Ouais. Mais c'est vrai que Félix avec Laurent Kova, son coéquipier de Montpellier, là, ils ont créé une vraiment belle surprise parce que. Ils partaient de loin, mais ils y ont cru. Ils ont petit à petit joué leur meilleur niveau. Et Laurent Kova, c'est la surprise du chef parce qu'on ne l'avait jamais vu à ce niveau. Et Félix l'a très bien entraîné pour aller gagner ce beau titre de double messieurs. Allez, petit avantage de plus 3 pour Félix. Ouais. Alexis, il est un peu tendu là au début de ce match. Et puis Félix, il est rentré tambour battant. Il le perturbe, il joue fort les premières. Et il enchaîne bien, tel ce point. Donc voilà, pour l'instant, il fait la différence. Ouais, c'est le plus jeune des deux, Félix. Ouais. 16 ans, 80e mondial. Et Alexis qui est rentré dans le top 50 il y a peu. Il y a quoi, il y a 2 mois, c'était au mois de mars. Ouais, il a fait un parcours extraordinaire. Bon, il a été mis en confiance parce qu'il est devenu, tout en étant licencié à Montpellier, il était joker médical au club de Pontoise en Pro A. Il est rentré dans la Pro A comme si de rien n'était. Après une première défaite sur Adam Choudi à Rouen, il a enchaîné des performances incroyables. Ça l'a mis en confiance. Et puis derrière, il a enchaîné sur les Pro Tours et ça l'a emmené donc... dans le top 50 mondial, c'est fantastique, c'est vraiment beau. Ok,
Quel échange. Oh là, et ça revient encore une fois. Oh là là, il fait la faute en premier, Félix. Quelle défense du côté d'Alexis. Ouais. Et le point serré d'Alexis, parce qu'il fallait les remettre. Hein. Laisse-moi jouer, petit frère. Bah là, ils jouent comme à l'entraînement, en fait. Ils ont l'habitude de jouer ce genre de points à l'entraînement. Voilà, le public. Il apprécie, est hein. Comblé, là. Ouais. C'est vraiment un superbe échange. Voilà. Ça me fait penser à une vidéo qui a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux. On voyait, c'était Jean-Philippe Gatien, il me semble, hein, avec cette défense incroyable, ces smashs qui renvoyaient systématiquement. Ouais, ça a détendu Alexis la gaine de ce point-là. Il se relâche un peu plus et il gagne un très bon point derrière sur une remise de service. Ouais, ça joue, hein, ça joue. Alexis, il va falloir qu'il fasse attention parce que Félix prend de plus en plus d'assurance, prend de plus en plus de métiers à force d'enchaîner les pro tours sur le plan senior. Et il mûrit un peu plus, Félix, et il est vraiment décidé à perturber encore plus son frangin. C'est rigolo parce qu'il y a les frères Lebrun donc en tennis de table et il y a les frères Popov en badminton. Tout à fait. Et ils s'entraînent l'un comme l'autre, hein, vers le haut niveau. Ouais. Félix, au niveau européen en cadet, avec Alexis devant en junior. Et voilà, ils s'entraînent l'un comme l'autre. Et là, c'est paradoxalement, c'est une faute bête de Félix là, sur le service d'Alexis. C'est ce que je lui disais en début de match. Il a sans doute amené un service que Félix n'a pas l'habitude de jouer. Et il a plongé sur la quantité d'effets. Allez, Alexis qui, dans le money time, hein, lui a crié la politesse pour aller chercher finalement ce premier set. Il a couru après le score tout le temps, systématiquement, si ce n'est sur le premier point où il a mené 1-0. Il s'est retrouvé quand même mené 8-3 dans cette première manche. Et sur le fil, dans le money time, c'est lui qui, dans le dernier virage, lui grille la politesse et va chercher ce premier acte. 12 points à 10 pour Alexis. Oui, tout à fait. Sur la fin de set, Alexis a bien enfermé Félix. Il lui a fermé la porte de l'initiative dans le jeu. Et par des remises un peu mi-longues qui ont perturbé Félix, il n'a pas joué assez dur sur ses balles tendues, je dirais. Et puis ben, derrière, Alexis a pris l'initiative du jeu et a démarré fort et a gagné ce set sur la plus petite marge. Mais bon, Félix, je trouve qu'il tente sa chance plus que les fois précédentes. Donc ça va nous promettre vraiment une belle demi-finale. Oui, donc Alexis, là, après les championnats de France, ils vont enchaîner. Donc ce sont des joueurs qui sont sur le plan international, qui enchaînent les compétitions. Et donc Alexis va partir à Oran là, à partir de demain pour jouer les Jeux méditerranéens, accompagné de Bastien Rombert. Et puis Félix, il va enchaîner sur les Pro Tours. Hein. Il va y avoir le Pro Tour de Tunisie bientôt, là, dans la foulée. Et avant ça, Budapest. Donc voilà, ça sera pas des vacances d'été, mais des tournois à jouer. Quoi. Ouais, mais pour eux, c'est que du plaisir. Voilà, tout à fait. Ouais, Félix, il a progressé ces derniers temps en coup droit. Il a une sécurité de balle en topspin coup droit qui est au-dessus de la moyenne, mais surtout il gagne en puissance. Il commence vraiment à former son corps physiquement. Et quand il aura vraiment, quand physiquement il sera vraiment au top par rapport à sa croissance, par rapport à son travail de physique, il enverra un peu plus fort en coup droit et son jeu prendra encore plus d'envergure. Mais déjà là, grosse marge de progression. Ouais. Et déjà là, franchement, en coup droit, il a énormément progressé.
4-2 pour Félix. Alexis qui se parle un peu là, qui fait des fautes en revers, ça l'agace un peu. Voilà. Voilà, 5 partout Alexis. Le fait qu'ils se connaissent par cœur, ben, l'un comme l'autre anticipe les retours de service. Ouais, et donc sûr. Forcément, ils ont un coup d'avance à chaque fois. Quoi. Okay. C'est bien joué ça, démarrage au corps, sur la balle de rebond. C'est là où Félix a progressé, c'est sur la première balle de démarrage où avec sa prise porte-pume, il arrive à passer et à balayer au-dessus du plateau. Et à démarrer ou au milieu ou en parallèle, et ça met beaucoup en difficulté les adversaires, d'autant plus que sa diagonale revers, c'est là où il est très fort avec son revers retourné vu sa prise de raquette. Voilà, vous venez de le voir avec ce démarrage revers. Et donc voilà, il a une grosse palette technique, et il a encore des progrès à faire. Hein. Après ce set, là, je pourrais vous expliquer un peu ce que Nathanaël Molin, leur entraîneur, essaye d'inculquer au niveau de Félix et au niveau de sa prise de raquette. Ouais, super moment, bien joué. F6. Ça vient pour cette rencontre que Félix prenne ce set là. Bah oui, ouais. Pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Ce serait sympa. Voilà, il a 3 balles d'égalisation et une manche partout. Voilà, la première balle est la bonne. 11 points à 7 pour égaliser. C'est mérité pour Félix. Il est plus entreprenant, je trouve, dans la partie depuis le début du match. Oui, il aurait déjà dû gagner le premier set. Le premier set, il était devant. Bon, il se l'est fait gratter. Mais bon, là, franchement, il est très régulier, très offensif. Et Alexis, il est un peu en dedans là. Il tergiverse un peu et Félix en profite. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais, je parlais de Nathanaël Molin, oui. qui est leur entraîneur, hein, qui les suit tous les deux sur le plan international. Il nous expliquait hier qu'avec Félix et sa prise porte-plume, il essayait de chercher des objectifs de travail technique. Et donc cette prise porte-plume, forcément maintenant avec les Asiatiques. Les Chinois surtout, ils ont amené le revers avec la prise porte-plume, alors qu'auparavant, ben, les Japonais, les Chinois, les Asiatiques en général, avec cette prise porte-plume, n'utilisaient qu'un côté de raquette, donc c'est-à-dire le coup droit et le revers renversé, toujours avec la même prise. Alors que bon, ben, y a eu l'évolution de cette prise porte-plume, on a amené le revers, je dirais, comme la prise orthodoxe. Et là, donc, Nathanaël essaie de faire jouer Félix un peu plus avec une face de raquette dans le côté revers. Pour ben, utiliser des blocs coupés, des blocs latéraux, aussi peut-être contrer un peu plus fort aussi avec cette prise. Donc bon, toujours faire évoluer la technique et le jeu de Félix. Allez, on est reparti sur le troisième acte. Un partout. Là, encore un démarrage au ventre qui met en difficulté Alexis. Bien joué. Un petit peu d'agacement chez Alexis là. Il cherche son jeu au niveau du revers et Félix en profite pour l'instant. Il recolle à 4 partout.
Il passe devant, 5-4. Ouais, bah Alexis, il joue beaucoup avec son coup droit parce qu'il, comme il cherche son revers, comme je l'ai dit précédemment, donc il bouge bien, il prend son coup droit et il est entreprenant avec son coup droit et il est en train de faire la différence. Ah ouais, 6-4, ça, ouais. Ouais, ça perturbe Félix. 3 points de suite, hein, il était mené 4-3. Ouais, c'est une bonne réaction tactique de la part d'Alexis, là, de prendre beaucoup son coup droit, de se booster, de bien bouger. Et ouais. Il était même mené 4-2. Hein. Ouais, ouais, 4-2, 7-4. Ça fait 5 points là où il gagne des points avec son coup droit, il est entreprenant, il se booste, c'est bien, c'est une belle réaction. Voilà, fin de série. C'était bien de stopper un petit peu l'hémorragie là pour Félix. Ouais. Oh, magnifique. Oh, que c'est parti vite. Magnifique. Là, il y a tout eu dans le coin. Il y a eu, contre-prise d'initiative et finition avec le coup droit là. Vraiment un très très beau point. Du 7, Alexis. Ouais, toujours derrière de 2 points et la différence se fait dans la diagonale coup droit là, actuellement. Ouais, c'est superbement joué de la part d'Alexis parce que la remise, elle a pris le point de table. Je sais pas si vous l'avez vu, Olivier. Et j'ai vu que il ça. A rectifié son topspin et c'est vraiment bien joué de sa part. Quoi. Pas une balle facile. Ah, il part à la faute. Ah ouais. Et belle défense quand même de la part de Félix. Ouais, tout à fait. C'est le jeu moderne là maintenant. Là, on assiste à un match de très haut niveau et l'un comme l'autre ne veulent pas quitter la table et ça joue vraiment topspin près de la table, puissamment, avec beaucoup de régularité dans les coups. Ça joue un très haut niveau là. Oh là 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 là. Là, c'est rageant. Ouais, un petit peu, mais bon, c'est la loi du sport. Hein. Ouais, c'est rageant. Félix, il s'en veut là. Ouais, dans l'attitude, là, il s'en veut parce qu'il avait bien servi pioche liftée. Son frère Alexis n'avait pas vu la quantité d'effets qu'il avait mise et la balle est montée. Et malheureusement, il a pas attaqué assez fort cette balle qui est sortie quoi, et qui profite à Alexis. Pour l'instant, ça fait 2 manches à 1 en faveur du plus âgé des deux. Ouais. Et quand je dis plus âgé, c'est. Et ouais. quand on est frère comme ça, ça doit être terrible d'être dominé par le petit frère. Quand ouais. on est frère à cet âge-là, hein, parce ouais, que je ne ouais, parle ouais. pas quand on a 30 ouais, ans. Ouais, tout à fait, c'est différent. Ça n'a plus ouais. la même, ouais, la même saveur. Bon, comme je vous le disais, c'est deux jeunes qui se lancent des défis depuis qu'ils sont petits. Et autant. J'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que. Quand ils étaient en stage régional, par exemple, dans Languedoc-Roussillon, là où ils sont domiciliés, il y avait des stages régionaux et ils jouent constamment, ils se lancent des défis depuis le temps qu'ils sont tout petits. Par exemple, quand ils étaient en stage, ils devaient se coucher à une certaine heure et puis l'entraîneur Nathalie Fortuny, que je salue, entendait des balles dans la chambre et en fait, il se faisait des défis avec la table de chevet, enfin, à c'est jouer. Énorme, ouais. Enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, là, on a vu aussi pendant le Covid qu'ils jouaient dans le garage et ils lançaient des défis. Enfin, ça, c'est quand même un des rares sports, ouais. Le tennis de table, où pendant le Covid, ils ont ouais. pu s'entraîner. Et s'entraîner, ils jouaient dans le garage, ils ont fait des vidéos, c'était vraiment... c'est génial, quoi. C'est ouais. génial parce que ils transforment de leur passion le très haut niveau et pour l'instant, ils sont tout frais, donc forcément, ils pensent à jouer, à s'éclater ouais, ouais. et c'est vraiment génial. En fait, ils prennent du plaisir. Ouais, ouais. C'est sûr que pendant le Covid, si vous étiez nageur, c'était un peu plus compliqué. Tout à fait. On a pas tous une piscine dans son salon. Quoi. Ouais, voilà. Alexis qui sert vraiment très bien et qui provoque la banana de Félix, mais un peu haute. Et il reste en coup droit. Et... Voilà. Tambor, ouais.
Ouais, bah Félix, il a raison, il essaye de se reprendre, je dirais, sur le plan nerveux, parce que là, il est en train de s'agacer. C'est dur pour Félix, parce que là, c'est 3-7 serrés, il pouvait mener au moins 2-7 à 1, c'est son frère qui mène et qui a un ascendant psychologique sur lui. Ouais, parce qu'il a eu balle de 7 dans la première manche. Ouais, hein. C'est ça, et il l'a peut-être un peu dans la tête, et ça le fait suer, Félix, parce que c'est souvent les mêmes scénarios qui se reproduisent, et le grand frère a toujours l'ascendant sur lui. Et là, il a pris vraiment un très bon temps mort pour relancer le match, en fait. C'est 2-7 à 1, 1-3. Il sait très bien que s'il perd ce set, avec 2-7 de retard, ce sera vraiment encore plus dur. Donc ce set est vraiment important pour Félix. Voilà, ça défile, attention. Ouais, il prend le dessus. Ouais. Alexis est en train de mener de plus 5, c'est le plus gros écart qu'il y a jamais eu. Très très bien joué. Démarrage en parallèle, suivi d'un bon placement en diagonale qui a déporté Alexis. Bien joué de la part de Félix. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la variation du coup droit de Félix. Il a démarré fort la première et derrière il a ralenti avec un topspin de rotation. Une variation en profondeur. Voilà, il lâche pas, il est dans son match. Ouais, ouais. Il tente tout ce qu'il peut. Pour avoir zéro regret. Là, c'est un nouveau service d'Alexis là, qui est parti sur un service latéral et il l'a rendu rapide au dernier moment. Ouais, Félix, il est pour l'instant dans la diagonale coup droit. Il manque souvent son premier contre-top et il lance pas le jeu dans le topspin-topspin. Il n'y a pas beaucoup de rallye et c'est ce qui fait la différence dans ce match pour l'instant. C'est cette diagonale coup droit où Alexis est plus performant. Et boum! Et poum manqué. C'est Jean-Paul Lotte hein, qui fait bing. Oui, c'est ça. Là, il a voulu chercher la petite diagonale au lieu de frapper franchement cette balle et il l'a manqué. Ah, ça, c'est des points gratuits. Ça. Ouais. Petit péché de jeunesse là, chez Félix, il a servi trop vite. Trop de fautes bêtes chez Félix là, pour recoller au score. Un service manqué, un démarrage manqué. C'est des points qui s'additionnent chez Alexis. Et ça sort. Et 10-6. 4 balles pour mener 3 manches à 1. Mais voilà, c'est fait. Ouais. Il n'aurait eu besoin que deux balles finalement. Et c'est la deuxième qui est la bonne. 7-11. Ouais, on sent vraiment qu'Alexis commence à avoir une bonne petite expérience internationale parce qu'il sent que son côté revers, qui est son coup préféré, n'est pas au top sur cette demi-finale. Et tout de suite, il a changé et il s'est bougé et il a pris son coup droit. Et c'est ce qui a fait la différence dans ce match, la puissance d'Alexis par rapport à Félix encore parce que il est quand même plus vieux, plus puissant, ouais. Mieux formé physiquement et c'est vraiment une bonne stratégie qu'a appliqué Félix, Alexis, c'est de prendre son coup droit et de malmener Félix sur les premiers échanges et de l'emmener dans la diagonale coup droit où il fait vraiment la différence statistiquement dans cette diagonale quoi. Et il est au pied du mur désormais Félix dans l'obligation d'aller chercher les 3 sets qui suivent. Ouais, mais il lâchera rien parce que c'est vraiment un super compétiteur, Félix. Depuis tout petit, il n'a jamais un match. Et là, il va vraiment encore tout donner pour essayer de renverser la situation.
c'est bien, ça va lui. Il fallait aller chercher. Il faut qu'il aille chercher ses premiers points, en tout cas, Félix. Hein. Voilà, déjà le premier. Ouais, voilà, bien. Deuxième. Très bonne attaque là en remise au revers. Très bon topspin au-dessus du plateau qui surprend Alexis. Perdu ses deux services. Ouais, encore un super rallye dans la diagonale coup droit, remporté par Alexis. Il a la mesure dans ce compartiment du jeu. Ah, il menait 2-0, il se retrouve mené 3-2. Là, il y a tout eu dans ce point. Il y a eu de la puissance, il y a eu du changement de trajectoire sur la fin de l'échange par Alexis. C'est super bien joué. Ah voilà. En plus, quand on est fort dans un compartiment de jeu et qu'on est moins efficace et qu'on utilise l'autre partie qu'on prend l'autre coup en main, ce qui fait, c'est à un moment donné, on retrouve de la confiance et le coup préféré revient comme on vient de le voir avec son revers. Malgré tout. Il fait encore des fautes, mais sur le point d'avant, il a eu du relâchement, il a gagné le point en revers, et ça va faire que son niveau de jeu va encore monter en puissance. Ah, il commence à s'agacer là, Félix. Ouais, je trouve qu'il s'agace trop. Ouais. Il s'agace trop, il monte sa nervosité à son frère, et l'autre, il est... Qui est bien lucide en plus, hein. Il est concentré dans sa bulle. C'est un filou en plus, Alexis, donc il va forcément... Mais bon, il prend pas le large non plus, hein. Non, c'est toujours serré au score. Ouais, encore un bon démarrage. Ça, ouais. Et puis il n'est pas en réussite, ça prend le filet et ça sort. Ouais, là, il y a quand même une différence de niveau encore. Et sur les trois premiers sets, un peu moins. Mais là, depuis deux sets, Alexis fait vraiment la différence. Il est à 4 points de la victoire et de la finale, Alexis. Toujours à 4 points et finalement, il n'arrive pas quand même à prendre un gros ascendant psychologique. Encore un point gratuit là, donné par Félix. Bien pivoté là, bien anticipé. À deux points du match. Ouais. C'est ça, Félix. Il a changé la diagonale. Il a fait un contre-top en ligne qui lui a permis derrière de faire passer son frère en défense et de finir avec son courant. Et le match. Eh ouais. Une demi-heure de jeu. Ouais, ça défile. Là. Ah, puis casse le rythme. La balle qui est un peu trempée, donc Alexis sportivement essuie la balle pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. D'accord. 18, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. C'est une belle balle de match. Ouais, belle balle de match. Bah, l'image de la rencontre. Bravo. Entre les deux frères. Et évidemment, il y en a un qui est heureux, l'autre qui est un peu plus dans la déception. Ce qui est fantastique, c'est que c'est vraiment deux adversaires au-delà de qu'ils soient frangins. Et c'est vraiment beau à voir parce que il dépasse le fait d'être frère, et il joue vraiment un vrai match et Alexis l'emporte une nouvelle fois.
L'anecdote hein, de Jérémy hier, je demandais un peu quels étaient leurs objectifs perso. Forcément, bah, tous les deux répondent champion olympique, champion du monde. Ils ont une prospective internationale super intéressante. Mais surtout, Alexis, la première chose qu'il dit souvent, c'est ne jamais perdre mon frère. C'est beau ça, voilà. C'est super. Tiens, on écoute la réaction d'Alexis. Ouais, c'était un match super compliqué. C'est pas évident pour moi de jouer sur Félix parce que. Bah, même si je ne l'ai jamais perdu, c'est toujours super stressant de jouer contre son petit frère. En plus, en demi-finale des championnats de France, j'ai encore moins envie de le perdre dans des matchs comme ça. Donc, un peu dur à aborder, les deux premiers sets compliqués. Puis, au fur et à mesure du match, petit à petit, je me suis relâché et ça allait mieux. Du coup, je suis vraiment super content. Alors, t'avais joué Simon en demi-finale lors des derniers championnats de France. Là, tu le joues en finale. Dans quel état d'esprit tu es là ? Bah, j'ai envie de prendre ma revanche. C'est un super match à jouer encore une fois, donc je vais prendre autant de plaisir que sur la demi-finale en espérant que le résultat sera le même. Je pense que ça sera une super finale. 15h30, le rendez-vous est donné. Voilà, la relève de l'équipe de France, elle est là aussi. Hein. Et voilà, c'est ça aussi, on en parlait tout à l'heure avec Rosen. La relève de l'équipe de France avec Pritika. Et là, on a la relève de l'équipe de France aussi pour les prochains Jeux Olympiques, parce qu'il faudra compter sur eux. Bah ouais, en plus, ça arrive très vite. Hein. Les deux frères Lebrun, là. Ils ont performé depuis le début de la saison et ils amènent beaucoup de fraîcheur. Ça va booster les autres aussi qui ne vont pas se laisser faire et qui vont essayer de tenir leur rang. Et c'est d'autant plus sympa de trouver ces deux jeunes au meilleur niveau mondial. Donc tant mieux pour l'équipe de France et Patrick Schilla qui fera la sélection pour les championnats d'Europe à partir de lundi, donc la semaine prochaine. On connaîtra donc les quatre éléments de l'équipe de France pour les futurs champions. Ouais, on est de retour. Vous disiez, pour les futurs championnats d'Europe. Voilà, les futurs championnats d'Europe qui auront lieu prochainement. Donc, ça aura lieu à Munich. Voilà, ça sera à Munich. Et 13 au 21 août. Voilà, donc Patrick, ça va être délicat pour lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent aux équipes de France, les deux jeunes qui arrivent. Donc bon courage à Patrick pour cette sélection. Voilà. Merci Stéphane. Merci. Et Olivier, rendez-vous 15h30 pour la finale, messieurs. Et rendez-vous 14h30 pour la finale. Mesdames, bon appétit, à tout à l'heure.